Bonjour à toutes, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc je vais vous apprendre comment reconnaître vos vernis lorsqu'ils sont rangés debout comme ça dans une mallette et qu'on ne voit pas forcément le flacon. Donc pour ça je vous conseille déjà de mettre sur votre table tous vos vernis par ordre de couleur, je trouve ça plus pratique après pour les ranger. Alors pour faire ce DIY, vous aurez besoin d'étiquettes autocollantes et d'une petite perforatrice comme ça qui fait des petits trous. Donc je débouchonne mes vernis et je viens appliquer sur l'étiquette autocollante un petit carré en fait de vernis. Plus vous en avez, plus ce sera fastidieux, forcément, c'est long. Donc moi là ce que j'ai fait, donc j'ai disposé mes vernis sur ma table en face de moi et je fais les petites bandes de couleurs par ordre chronologique en fait des vernis, comme ça me permet ensuite de coller la bonne étiquette sur le bon flacon de vernis. Comme c'est plutôt long à sécher sur ces feuilles autocollantes, vous pouvez faire tous vos vernis pour que les premiers soient bien secs et ensuite vous pourrez commencer à les perforer. Une fois que c'est fait, donc vous vous assurez au toucher que c'est bien sec. Si c'est le cas, alors vous pouvez décoller votre feuille autocollante. Vous décollez tout d'un coup parce que si vous perforez avec la protection en dessous, ça va être impossible à décoller, c'est trop petit. Donc vous prenez votre perforatrice, moi je la mets à l'envers comme ça me permet de voir que je trouillote bien dans le vernis et pas sur le blanc du papier. Donc je presse, donc là ça me découpe mon petit rond. Et ensuite j'ai plus qu'à venir le rattraper, donc ça colle pas, hein, ça adhère pas trop à la matière, ça se décolle assez facilement sans abîmer l'adhésif. Et ensuite je prends donc le bouchon de mon vernis et je viens poser par-dessus et j'appuie bien. Et je fais ça sur tous mes vernis. Sorti tous vos vernis, si vous ne l'avez pas déjà fait, c'est peut-être aussi l'occasion de swatcher tous les vernis que vous avez. Donc voilà, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura aidé à reconnaître vos vernis dans votre mallette. Et moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.